Bonjour à tous. Allez, c'est parti pour le jeu Universe de Core Design Limited sur Amiga. Donc ici, je le fais jouer sur mon Amiga 600. Mais c'est compatible Amiga 500, 600, 1200 et il y a aussi la version Amiga CD32 de disponible. Donc voilà. On va commencer. Donc tu te trouves sur un petit planétoïde désert qui apparemment flotte quelque part dans l'espace, parmi un amas d'autres astéroïdes. L'atmosphère turquoise étrange semble raréfiée, pourtant tu respires normalement. La pesanteur de ce petit astéroïde est très faible. Dans la lueur voilée de l'atmosphère extraterrestre, tu vois un astéroïde plus gros, apparemment couvert d'étranges habitations. Beaucoup d'entre elles ont de la lumière et des petits vaisseaux spatiaux passent de temps en temps. Quoi ? Où suis-je ? La dernière chose dont je me souviens, c'est une rangée de lumière clignotante, et maintenant ça ? Je me demande si Oncle George a découvert une forme de réalité virtuelle, incroyablement nouvelle. Ou peut-être que cette machine a agi sur mon esprit et que je suis en train de rêver. Voyons voir. Eh bien, puisque je suis ici, je ferais aussi bien de chercher un moyen de sortir de cet endroit. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? On va examiner un peu ce qu'on a aux alentours. C'est un panneau comme ceux qui servent à cacher des choses importantes. Ça alors, c'est une grande parabole. Ouais. Peut-être pour communiquer avec d'autres planètes ou réceptionner des messages. On dirait qu'avant, c'était quelque chose. Probablement une autre parabole. Ils ont dû la jeter quand ils ont pris la parabole plus grande et plus perfectionnée. Je préfère la nouvelle. Alors, on va aller par là. Ici, il y a une petite pierre, ici, je me souviens. Alors, prendre... un petit rocher, un morceau de roche d'astéroïde très moyen. Quelque chose ici. Allez, reviens. Hey Boris, on dirait de la poussière. Oh non, c'est aussi un petit rocher. Je vais faire le tour. On verra bien si je trouve autre chose. Ah, ici. Encore un petit rocher. Il y a des petits rochers ici. Voilà.
Bon, je vais attendre ici. Normalement, je dois pouvoir sauter sur l'astéroïde. Mais à moins que... Ah, ici j'approche. Non, oui, donc je vais revenir ici. J'ai peut-être pas tout exploré les faces. Ah, ouais, voilà, j'avais pas tout bien exploré. Alors, j'ai une barre de métal tordu. Et il faudrait que je trouve un circuit imprimé. À mon avis, il faut faire vraiment toutes les faces de la planète pour le trouver. Ici, il n'y a pas l'air d'avoir le circuit imprimé. On va aller vers l'avant. Donc on peut faire une fois. Donc ça fait une fois le tour. La deuxième. Ah voilà, ici. Donc nous avons les pierres, la barre de métal et le morceau de circuit imprimé. Et je voudrais retrouver cet astéroïde qui tournait. Où est-ce que je dois attendre? Ah bah il est là, donc je vais attendre ici. Normalement, je pense pas que ça prend trop de temps pour qu'il refait le tour. Reste ici et il faudra que je saute. Option. Mange, tirer, pousser, mais jette ici. Sauter. Alors, j'hésite à partir et essayer de le rattraper dans le sens inverse, parce que s'il arrive ici un peu trop vite, je vais jamais savoir sauter dessus. Donc on va attendre. Il devrait repasser d'ici peu. Voilà. Bon, est-ce que je dois mettre bien en face? Hop, sauter. Ok, ça marche. Eh, je pourrais vraiment me passionner pour ces trucs de faible gravité. Il faut que je pense à en ramener avec moi. Oula, je vais avoir le tournis, moi. Et après, ce que je vais faire... ah ouais, je peux plus aller dans le menu. Ah si, je peux encore aller dans le menu. Donc je vais aller... dans Options, on va refaire sauter. Et on va attendre qu'on arrive... sur l'autre planète là avec la canalisation ici. Ouais, je vais ressauter là dessus et sur l'astéroïde il y a quelque chose qui dépasse hein, mais je pense pas qu'on peut interagir avec ça. Alors à quelle distance je peux cliquer ici? Je ne peux pas sauter d'ici jusqu'à là bas oh. Vas-y. Ah bon. Ça ne marche pas.
Allez, on va retenter. Il faut sûrement être dans un bon alignement pour sauter sur l'autre partie. Bon. Dès que je suis en face, je vais cliquer. Ah, voilà. Ouf! J'ai cru que mon petit déjeuner allait remonter. Ah, tu m'étonnes. Dans la lueur voilée de l'atmosphère extraterrestre, tu vois un astéroïde plus gros, apparemment couvert d'étranges habitations. Ouais, ça c'est le texte qu'on avait vu au début. Quel endroit bizarre! Cela ressemble de plus en plus à un rêve dont je ne me réveillerai jamais. J'ai cliqué un peu trop vite. Alors, ici. Il faudrait interagir avec l'antenne. Donc, la barre de métal. Utiliser. Tu ne peux pas utiliser ça, non. Donc c'est pas ça. Option. Insérer. Barre de métal tordu dans. Voilà, dans le panneau de l'antenne. Voilà, j'ai ouvert le panneau. Donc, à mon avis, il y a le circuit imprimé maintenant. C'est le pupitre de commande de la parabole. Ok. Ça va être inséré alors. Il faut bien comprendre hein, le système d'icônes entre utiliser, insérer. C'était vraiment une drôle de sensation. On aurait dit que toutes les particules de mon cerveau réagissaient simultanément contre l'antimatière de cet univers et que leur état cognitif était altéré de façon permanente. Ce qui est encore plus étrange, c'est que maintenant je comprends tous les symboles aliens de ce pupitre. Réseau d'informations parallèles, lieu galactique, ok. Alors sélectionnez une fonction. Relier au point terminal, connecter canalisation de service, régler le système de filtration de banque de données. Connecter la canalisation de service, monde de gravité, monde de Gavrik, voilà. Hop. Génial, un connecteur de pont de canalisation de service complètement étirable. Tout le monde devrait en avoir un. Donc ça c'est fait.
Est-ce qu'on sait faire encore autre chose? Utiliser. Régler le système de filtration. Moins de graphique, planète. Si je fais ça. Tu arrives au bout d'une espèce de ruelle avec des bâtiments étranges blottis de chaque côté. Les structures ont l'air très solides, presque blindées, mais il s'en dégage un air de délabrement et d'abandon. Quelques habitants d'aspect extraterrestre vont et viennent. Ils sont très absorbés par ce qu'ils font et semblent éviter l'attention des étrangers. Après le coin, les bâtiments forment un enclos. Une odeur malsaine flotte dans l'air et un robot fortement blindé passe de temps à autre. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a personne dans les parages. Les entrées des habitations semblent avoir de grosses protections. Comme si la population vivait dans la crainte de quelque chose. Est-ce que je peux parler à lui? Ça ne va pas te répondre. Bon, et là, je vais revenir ici, voir si ça fait une connexion aussi.